L'actrice iranienne Leila Hatemi, il y avait une de ses photos au Festival de Cannes et le président de l'organisation Yacobo quand il l'a embrassé sur la joue et cela avait fait une grande réaction en Iran, si Dieu le veut. Et selon l'information, les étudiants de Hezbollah et que Hatemi s'est conformé donc contrairement aux normes de l'islam et ils ont déposé une plainte comme quoi elle doit être fouettée. Et Hatemi il dit que s'il y a une citation, il y a des personnes qui ne comprenaient pas cette situation et le ministre de la culture l'aide, que les femmes iraniennes sont symboles de l'honneur et que le comportement de Hatemi n'était pas conforme à la religion. Mon frère, l'honneur, c'est la religion. Et dire une chose que la religion n'a pas dit, c'est aussi du déshonneur. Et à ce moment-là, donc, on perdra son honneur. Si tu dis qu'une chose que Dieu n'a pas dit en disant que Dieu l'a dit, et si tu ajoutes quelque chose, tu perdras ton honneur. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu perdras ton honneur. Et s'il fait cela par ignorance, c'est à peur. Alors je n'ai rien à dire à cela. Mais s'il le fait tout en état de cause, en connaissance de cause, donc la religion, c'est l'honneur. À ce moment-là, il perd la religion et il perdra également son honneur.